Salut à tous, je reviens dans une vidéo retour de course. Nous sommes le mercredi 4, non, 5. Nous sommes le mercredi 5 juin. J'ai été faire les courses à Lidl et je vous présente mon retour de course. Donc, je vais commencer par le congeler, comme ça les filles vont vite aller le ranger au congèle. Alors, pour commencer, en congelé, j'ai pris des glaces comme ça. C'est marqué Yogo Ice Cream Dessert. Par deux, elles sont aux fruits. Voilà. J'en ai pris deux paquets. On va les goûter. J'ai pris en congelé Mexican Steel Snack Box comme ça. C'était une promo de cette semaine, je crois. Donc voilà, j'ai pris ça pour goûter. J'ai pris ensuite une poêlée parisienne, carottes, petits pois, champignons de Paris, maïs, oignons blancs. Voilà. Moi, j'aime bien ces légumes. Il suffit que je fasse un barbecue et que j'ai envie de quelques légumes. Ben, je fais une poêlée. Ça dépanne et c'est très, très bien. En congelé, je crois que c'est tout. Hein. J'avais pris que ça en congelé. Donc, si les filles peuvent me descendre, ça m'arrangera. Tiens. Pour poursuivre, alors, je prends ce que j'ai devant moi. J'ai pris une plaque d'œuf comme ça. J'ai pris des olives. Alors, les olives vertes et des olives piquantes. Voilà. J'ai pris des cœurs d'artichaut comme ça, en bocaux en verre. Une batavia, encore une salade. Voilà. Des avocats. Alors, j'ai vu qu'ils ne sont pas très, très mûrs, mais je vais les faire mûrir. Ils vont très vite mûrir avec la chaleur qu'il fait. Voilà. 2 litres de lait. J'ai pris celui-là parce qu'on n'en utilise pas énormément, donc ça suffit largement. J'ai pris de la mimolette comme ça en dés pour mettre dans les salades. C'est super bon. La dernière fois, j'avais pris... J'ai pas pris de la mimolette la dernière fois. J'ai pris du gouda, je crois. Voilà. Pauline a voulu goûter ces box-là de pâtes jambon fromage. Moi, je suis pas fan de ça. Je trouve ça pas bon. Elle a voulu goûter. Elle goûtera. On a repris des mini saucissons. Alors, nature, piquant et noix. Voilà, on a pris les trois sortes et j'ai pris deux natures. Donc deux natures, un noix, un piquant. Voilà. J'ai pris deux boîtes de... Eh ben zut, je me suis trompée. J'ai pris deux boîtes de bouillon de cube. Je voulais légumes et j'ai pas vu, j'ai pris bœuf. Bon, bah tant pis, j'aurai deux bœufs, j'aurai pas de légumes. J'ai pris du beurre extra fin. Des petits gâteaux comme ça, barquettes au chocolat. Des BN, des mini BN en goûter. J'ai pris des lingettes papier toilette comme ça. Parce qu'on les aime bien, elles ne sont pas très chères. Enfin, pas plus chères qu'ailleurs, on va dire. Voilà. J'ai pris du sucre en morceaux. J'ai pris deux boîtes de thon. Il n'y restait pas grand-chose en thon. Je crois qu'ils ont été dévalisés. Ou alors, ils n'ont pas beaucoup de choix cette fois. J'ai pris de la mozzarella comme ça en billes. Elle est en promotion aujourd'hui. Des olives noires en bocaux qui étaient aussi en promotion à la grecque. Ça change pour mettre dans les salades. Moi, j'aime beaucoup. J'ai pris... comment s'appelle ça, qu'on met sur les pancakes, du sirop d'érable, je crois que c'est. Map syrup. Oui, sirop d'érable. Voilà, pour mettre sur les pancakes, si je veux faire des pancakes. J'ai pris de la sauce à la toute prête. Alors, c'est la César. Voilà. Elle était aussi en promotion, je crois. J'ai pris des sacs poubelles 100 litres. Du gel à raser.
comme ceci. Il est très très bien et il coûte vraiment que dalle. Des tomates grappes. Elles n'étaient pas en promo cette semaine. Elles étaient à 1,29. La dernière fois, elles étaient à moins d'un euro. 99 centimes, je crois. J'ai pris des bananes. Des endives. Pour faire en salade. Je les fais plus à la béchamel avec du jambon s'il fait trop chaud. J'ai repris des petits gâteaux comme ça au chocolat pour déjeuner. Ça va être très bien. Il faut me mettre ce qu'il y a là-bas au congèle. Ça va décongeler, les filles. Pauline s'est pris des mousses au chocolat. 3 paquets de mousse au chocolat au lait. Voilà. Elles sont très très bonnes, la mousse au chocolat. J'ai pris du pain, tout simple. Voilà. J'ai pris une pastèque. Une petite pastèque, un bébé pastèque. Parce que là, les fruits vont commencer et moi, on fait le plein de fruits à la maison. J'ai pris des abricots qui étaient en promotion. Ils ont l'air très jolis. Ils sont petits, mais ils ont l'air très jolis. Donc voilà. J'ai pris un petit melon jaune comme ça. On aime bien aussi. Et puis, quand je vais finir, je les mets en salade de fruits pour le matin. Elle va fondre mon congelé. J'ai pris des gambas entières. Voilà. Pour faire dans les salades, ça vaut le coup. En viande, j'ai pris des aiguillettes de dinde, saveur, thym et citron pour faire au barbecue. Voilà, c'était comme ça. Je crois qu'elles étaient en promo, c'était des aiguillettes de dinde, il me semble. J'ai pris cette brochette de bœuf, comme ceci. Je vous les montre de plus près, voilà. Elles étaient en promo aussi, barbecue, cette semaine, donc ça vaut le coup. J'ai repris 2 paquets de ribs, comme je vous avais présenté la dernière fois. J'ai pris 2 fois l'original. Il était encore en promotion à 3 et quelques au lieu de 4 et quelques. Donc, c'est toujours 1 euro de gagner. J'ai pris des chipolatas supérieures comme ça par 18. Ça vaut vraiment le coup. Et nous, quand on fait barbecue, barbecue. Généralement, on finit même de manger le soir. J'ai pris des escalopes de dinde tomate barbecue comme ça. Je ne sais pas si on les avait déjà pris, celle-là. On n'avait pris paprika, je crois. Il n'y avait pas paprika, c'était tomate barbecue. Ça ira très bien. J'ai pris un petit plateau à griller, comme ça, avec des mini saucisses. Alors, il y a... qu'est-ce qu'il y a dedans? Mini chipot, mini merguez et des brochettes. Voilà. Pauline avait envie du plateau. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des crêpes comme ça au chocolat et aux céréales croustillantes pour déjeuner. J'ai mon mouche qui s'incruste sur la table, il va descendre. J'ai pris des Nutella by Ready, voilà, pour le petit-déj ou pour le goûter, voilà, x10. J'ai repris des radis, j'ai pris 2 bottes de radis. C'est des radis, voilà. J'ai pris un petit melon. Je voulais le goûter pour voir s'il était bon. Alors, ils sont pas mauvais, mais bon. On va essayer, parce que la dernière fois que j'ai pris du melon, il était dégoûtant. Vraiment, il avait aucun goût. Il n'était pas bon du tout. Donc, on va essayer. J'en ai pris 15, parce que je me suis dit, bon, pour commencer, j'en prends un. Et puis, quitte à aller au marché, chercher mes fruits maintenant qu'il fait beau, je préfère. Voilà. J'ai pris 2 sushi box. Comment je vais vous les montrer? C'est que je suis gauche avec ma main. Voilà, j'ai pris les 2 mêmes. J'en ai pris 2. Parce qu'on aime bien manger des sushis. Et le soir, eh ben, ça passe bien. J'ai pris du taboulé au poulet. Comme ça, je vous l'avais déjà montré. C'est quelque chose que je prends régulièrement. J'adore celui au poulet. C'est mon préféré. J'ai pris du rôti de porc. Alors, j'ai pris du normal et du aux herbes. Voilà, le soir pour manger en tant que viande, ça va très bien. J'ai pris 2 paquets de jambon de Paris, comme ça, par 6. Voilà. Et pour finir... Non, c'est pas pour finir. J'ai pris j'ai pris des bières sans alcool, comme ça, au citron, qui est en promotion.
On n'en trouve pas tout le temps, mais là, ils en avaient en promotion au citron. Donc, j'ai pris un pack, c'est de 6. Elles étaient à 3 euros et quelques. Et j'ai repris des panachés, un paquet de panachés, un pack de panachés. Voilà, ça, je le prends régulièrement là-bas. Il n'est pas très cher et il est très bon comme panaché. Et je me suis pris, pour finir, une plante comme ça. Elle est super belle à accrocher. Vous avez la structure ici, je ne sais pas si vous voyez, oui, pour accrocher. Et je voulais la mettre sur mon balcon. C'est des campanula. Je n'ai aucune idée, je ne connais pas du tout les fleurs. Enfin, si, les basiques, mais alors ça, je ne connais pas du tout. Ça fait des petites fleurs violettes. Elles sont trop, trop belles et je vais les mettre sur mon balcon. Voilà. Donc voilà, non, et j'ai pris de la Volvic à la fraise. Alors j'ai pris un pack, là on l'a défait pour avoir une bouteille pour midi. Il faut la mettre au frais d'ailleurs. Donc j'ai repris la Volvic à la fraise, on l'aime beaucoup. C'est pas trop sucré et ça le désaltère beaucoup, mais il faut la mettre au frais. Voilà, j'en ai fini pour mon retour de course Lidl. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao !